Allez, avec... Il me semble, Gaspard Cohen, voilà, qui vient de se lancer. Allez, Gaspard, c'est parti! Le premier Français en junior à homme qui se lance pour ce 200 mètres duel. Allez, Gaspard, jusqu'au bout. Il a peut-être pris un peu trop large, là, pour le virage. Allez, jusqu'au bout. Non, il va prendre la deuxième place, là. Provisoire de derrière le Portugais. À 2 dixièmes d'écart. 5-1-3, Cohen. Ah, ça a encore bugué, c'est pas possible. Pourquoi ça bug là? Hop. Allez, c'est parti, deux coureurs espagnols là dans cette finale. Robla Manel contre Penopo. Alors, est-ce qu'on va aller prendre le temps de référence ici? Oh là, il y en a, ils sont costauds là, hein. On voit physiquement. Allez, on va prendre la deuxième et troisième place. Donc pour l'instant, Gaspard Cohen qui est relégué à la quatrième place. With the time of 18.494, 18.499 for Peña. Salut Ludwin, bienvenue sur le live. Ah, t'arrives tout juste pour la fin. Allez, le prochain, je crois, sprinter français avec Maël le frappeur face à un patineur de République tchèque. Allez Maël, faut aller prendre le temps de référence. Donc Pribic Lucas avec toujours le patineur portugais de la première finale qui a pris le temps de référence et qui l'a toujours. Best time is still Antonio Piteiras. 18.314 and we are ready for the third heat. The third heat that means allez, Maël. Ninth and eighth place in the qualification runs this morning. They are. Allez, Maël. Allez, encourage un maximum. Et c'est parti pour Maël. Allez, faut pousser comme une brute là. Allez, la relance en fin de virage. La ligne droite, ça pousse fort. Allez, le deuxième virage. Allez, Maël jusqu'au bout. Et Maël qui va aller prendre la troisième place provisoire. Et c'est le patineur de République tchèque qui va aller chercher le temps de référence. Et là, nous retrouvons deux patineurs italiens pour la prochaine série. Gaspard Cohen qui, pour l'instant, va être relégué à la sixième place, je crois. Ouais, c'est ça. Et le patineur de République tchèque qui prend la première place pour 8 centièmes. Ah, les deux patineurs italiens, donc attention à surveiller évidemment. Je crois que j'ai vu que Arthur faire la course à points plus le 200 mètres et le live qui a bugué. Évidemment, le chat qui passe devant. Allez, les deux patineurs italiens qui vont terminer sur la ligne et qui vont prendre. Alors non, il reste encore une ligne droite. Il reste encore 100 mètres. Oups là, ouh, le lancer de patin, ils vont prendre les deux meilleurs temps. Ah non, ok, d'accord. Donc ils vont prendre le temps de référence
Et la deuxième place. Donc pour l'instant, nous avons un doublé italien. Best time, Leo De Angelis, 18.006. And now we are ready to the four fastest in the morning. They are fighting for the podium. Nella penultima batteria, representing France, Florian Bernard. And his opponent, representing Spain, Alejandro Cortez. Allez, Florian Bernard, avant-dernière finale. Allez, est-ce qu'il va pouvoir aller chercher les deux Italiens? Lui qui avait tout à l'heure le troisième temps de référence. Donc, c'est tout à fait possible face à un patineur espagnol. Allez, Florian Bernard, peut-être la première médaille en sprint chez nous Français. Non, la deuxième, parce que Arthur a fait deuxième. Allez, 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 là, ça pousse fort, là, avec le patineur espagnol. Oh là là, ça envoie. Allez, Florian, on va jusqu'au bout. Allez, la dernière ligne droite. Oh, ça sort vite chez l'espagnol. Ouais, voilà. Il y a rien. Le temps de référence pour le patineur espagnol. Aïe, 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 aïe. Pour pas grand chose, hein. 7 centièmes. Florian Bernard qui prend le deuxième temps de référence. Il va rester une finale, donc il faut espérer que au moins l'un des deux finalistes prennent la quatrième place. Representing Italy, former European champion. Attends, c'est un sérieux là, Non, voilà, il en reste deux. From Germany. Un Italien et un Allemand. Alors, pour l'instant, ça va se jouer ici même pour le podium de Florian Bernard, qui a pris la deuxième place. Et ça joue à pas grand-chose. Faux départ du patineur allemand. Ah, attention, le patineur allemand là qui a fait le faux départ. Peut-être un signe de stress, de pression. Faux départ pour le Ome Tamino. Allez, deuxième départ. C'est son premier faux départ. Et là, il n'a plus le droit à l'erreur. Et là, c'est bon. C'est parti pour les deux patineurs. Qui va venir l'emporter? Pour l'instant, Florian Bernard qui a le deuxième temps provisoire. Allez, le premier 100 mètres effectué. Ça pousse très fort là, ça envoie. La dernière ligne droite, la sortie de virage, la relance. Et on vient chercher la meilleure place pour le patineur italien. Deuxième, le patineur espagnol. Malheureusement, Florian Bernard qui va être relégué à la quatrième place. Aïe, 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 dommage. Allez, 1/10 et demi d'avance sur le deuxième pour le patineur italien. Ah, dommage, Florian Bernard qui est pas très loin de la troisième place, hein, seulement 7 centièmes, hein, c'est pas grand chose. Voilà, Florian Bernard, quatrième, à 7 centièmes. Pour la deuxième place après, oulala, il y a plus de 2 dixièmes. Hein. À peu près 225 millièmes pour la deuxième place. Et la première place, là, indiscutable. Ah, c'est dommage, le patineur espagnol qui faisait effectivement grosse impression. Ça poussait fort et vite.